Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui du film Le temps d'un été, un film de Louise Archambault qui a fait Il pleuvait des oiseaux, que moi j'ai considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, là. Bon, c'est l'histoire d'un curé de paroisse, d'un aumônier de rue. Sa clientèle, ben, c'est des pauvres, des itinérants. Homosexuels, des gens malades, bon, une bonne sœur, sœur Monique. Bon, à un moment donné, il tient l'église à bout de bras parce que, bon, on le sait, les églises sont vides, elles tombent en ruine, il faut les chauffer quand même l'hiver. En tout cas, il est endetté, il commence à être pas mal tanné et. Par bonheur, il hérite d'un manoir dans le bas du fleuve, comme une idée de génie, parce que lui, il a besoin de vacances. Il décide d'amener ses copains. Donc, c'est les gens avec qui il côtoie et tout ça, puis bon, ils mettent ça dans le sable. Et ils partent pour le bas du fleuve. Et c'est cette histoire-là qu'on va voir. On va connaître les personnages, on va s'attendrir et tout ça. C'est un beau film. Le film, il y a rien qu'un gros défaut, c'est qu'on entend de la musique anglaise. Tu dis, c'est des Québécois qui partent, qui s'en vont dans le bout du fleuve, puis on chante en anglais. Je sais pas. Moi, entre les cas, je suis bien étonnée de ça. Je me dis, quand est-ce qu'on va avoir la fierté de s'assumer autant? On est content de dire qu'on fait des bons films. Bon, si on faisait aussi, on mettait nos auteurs-compositeurs à travailler justement au niveau des films, je suis sûr qu'on aurait des choses extraordinaires. C'est ce que je reproche à nos films québécois, malheureusement. On dirait qu'on n'est pas capable, on a peur que la musique québécoise soit pas à la hauteur. J'appelle ça un complexe de colombe. Bon, je suis certaine aussi que les droits d'auteur de ces chansons-là doivent coûter très cher en anglais, là, américaine. Donc, tant qu'à payer des droits d'auteur ou payer un homme à travailler ou une personne à travailler, je ne sais pas, à lui donner un contrat de musique, y a-t-il moyen qu'on entende un film de chez nous chanté avec de la musique de chez nous, qu'on s'imbibe complètement dans le film? Moi, ça me dérange et je ne suis pas la seule qui est dérangée. Je peux vous le garantir. On entend des commentaires souvent dans la salle. Donc, le film est bon, mais bon, la musique, dérangeante, très dérangeante. Mais allez voir ça quand même. Pour nos comédiens, nos très bons comédiens, nos costumiers qui sont géniaux. Vous voyez, on a déjà des gens capables de faire. Même Louise Archambault a fait du très bon cinéma. Mais c'est la musique qu'on dirait qui. C'est comme des piqûres de Varingouin pendant le film. C'est bien dérangeant. C'est mon commentaire. Si vous avez une chance de voir ce film-là, bon cinéma. C'est quoi vous êtes au juste? Une commune? Une sec? On est un camp de vacances. Est-ce que tu vas amener une gang d'itinérants en vacances parce que t'es juste pas capable de les mettre à la porte de l'église? Ils ont le droit d'avoir des vacances eux aussi, comme tout le monde. C'est une grosperie. Même pour une déraliste comme toi. C'est en train de me dire que Zido il a été de la place. Je sais. C'est complètement fou. Si on n'est pas capable d'amener une gang, passer un été à campagne, je sais vraiment pas ce qu'on fait ici. Les années passent, moi, je dors. Il n'existe pas un règlement municipal qui interdit qu'on transforme le domaine en asile de fous. Pas parce qu'on a fucké nos vies qu'on va fucker notre été. Moi, je dors, et où? C'est un peu ce qu'on essaie de faire en amenant nos amis ici, qui retrouvent un peu d'insouciance dans leur vie de misère. Avoir besoin d'épices viderait votre présentoir.
On lâche-tu le veau? Au fond, ce que tu veux, c'est réparer quelque chose que tu ne seras jamais capable de réparer. Toute la gang. Bye. Bye.